Bonjour à vous les Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format, pour les énergies du jour, pour ce vendredi 13 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Donc pour les énergies pour vous, les Scorpions pour ce vendredi 13, vous avez le contact. Sois attentif et attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Bon, attention au contact pour cette journée. Il est possible d'avoir effectivement le coup de pouce, le coup de main, le tuyau, enfin vous voyez, le bouche à oreille qui peut fonctionner. La synchronicité. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astre Kiff pour les énergies générales pour vous les Scorpions pour ce vendredi. Ok, phase de la pleine lune. Ici, on parle effectivement de croissance. La phase de la pleine lune, c'est une phase de récolte également. Donc, il y a l'idée de récolter peut-être les fruits de vos efforts. Peut-être que les contacts, le bouche à oreille commencent à fonctionner. Il peut y avoir des retours positifs aussi. Donc voilà, faites confiance un petit peu à tout ce qui vient. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'énergie Saturne ici qui parle de construction et de la notion de temps. Hein, voilà, donc les choses commencent à porter leurs fruits. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec le tarot ici pour vous les Scorpions. Pour ce vendredi 13, et vous avez le page de bâton qui parle, eh ben, qui parle de nouveaux départs plutôt sympas. Moi, j'ai l'impression que vous avez hâte de commencer, vous avez hâte de vous lancer dans une nouvelle entreprise, dans quelque chose qui vous plaît. Ici, ça fait plaisir, ça fait du bien, il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a de l'amusement, il y a de la joie aussi. Donc là, ouais, il y a un retour positif, hein. On va regarder ici avec la roue de l'année, donc le tarot, la roue de l'année ici, sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. Ah, le fou qui parle de lâcher prise, de vivre l'instant présent, de s'amuser. On est dans l'amusement, on est dans la décontraction, on est dans quelque chose de plutôt foufou. Vous lâchez prise en tout cas sur les tracas, sur le stress, sur les contraintes. Ouais, il y a une bonne nouvelle ici qui vous fait du bien et qui vous soulage un petit peu ici les Scorpions. Donc ouais, il y a quelque chose de plutôt sympa. En tout cas, c'est une journée où il peut y avoir de l'amusement et de la rigolade. Ça va vous faire du bien les Scorpions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt.